Chers amis, bonjour, et j'espère que vous allez tous bien. Avec Farzad, nous avons une petite émission où nous allons parler de la bulle dans laquelle on s'enferme pour vivre nos petites vies, pour nous protéger de ce monde qui est tellement, tellement dangereux. Bonjour Farzad. Bonjour Guy. Voilà. Et c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs de cette bulle, c'était intéressant. La bulle qu'on se fait, nous, depuis qu'on est tout petit, ben, on apprend à se protéger. Et on s'enferme dans un petit monde qui appartient à moi, mon petit confort, tout ça. Et plus tu t'enfonces dedans, tu t'isoles des autres. Okay. Et en s'isolant des autres, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, on est malheureux parce que notre vraie nature... c'est d'être ensemble, c'est d'être tous connectés les uns avec les autres. Mais comme chacun se déconnecte les uns des autres, chacun regarde midi à sa porte, il y a une grande souffrance. Il y a cette solitude que l'on ressent souvent et qu'on n'a plus rien, on n'a pas d'amis, on n'a personne. Et tout le monde cherche quelqu'un qui va venir nous venir en aide. On cherche dans le couple, on cherche un mari ou une femme qui va venir nous soutenir de cette solitude qu'on a. Tu vois? Mais comment sortir de cette bulle? Comment faire en sorte que cette bulle ne nous emprisonne pas? Parce que c'est notre prison dorée. Comment tu répondrais à ça, Farzad? Ben déjà, ce serait une bulle, je la vois au-dessus d'une vague. Et cette vague de la vie... elle va finir un jour. Elle finit dans l'océan. Elle va, la vague monte et puis elle s'aplatit. Et les bulles qui étaient au-dessus de la vague, dans son écume, vont disparaître aussi. Ils sont l'un comme l'autre totalement impermanents. Et le fait de vouloir que cela dure, déjà, est une forme de folie. D'accord, tu es en train de dire que la vague dans laquelle, la bulle dans laquelle on s'enferme, c'est une illusion. Ben, disons que oui, déjà c'est éphémère. C'est pas une illusion, elle a un côté réel. C'est-à-dire qu'elle a un côté, c'est une bulle au-dessus d'une vague. C'est ta famille. C'est une réalité, tu veux dire. C'est une réalité, c'est ta famille dans l'océan de l'humanité. C'est ta famille qui est au-dessus de la vague ou en dessous. Non, c'est pas... Et puis il y a quelques bulles qui sont là. Ils vont se terminer à un moment donné. Oui, à ta mort. Pour beaucoup d'entre nous, ça se termine à la mort. Alors, ça se termine à la mort, mais il y a d'autres solutions. C'est-à-dire, ça pourrait se terminer à l'instant où nous percevons l'impermanence de la chose. On le voit. Et on voit tout à coup que mes vagues, bulles, écume, océans sont le même. Ils sont de même essence. Et là, notre vision de la vie change. Parce que le voisin qu'on voyait comme quelqu'un... qu'on ne connaît pas, qui est alcoolique, qui est ceci, qui est cela, qui a des problèmes, on ne le voit plus comme la bulle d'à côté. On le voit comme l'océan que nous sommes. Et à la surface de cet océan, ben, il se trouve qu'il y a beaucoup de déchets en ce moment. Mais dans les profondeurs, il y a la paix. Ce dont on parle ici, c'est comment plonger. Et qui sont les plongeurs? Pourquoi ont-ils quitté la surface? Que ne trouvaient-ils pas à la surface en tant que bulle, en tant que personne enfermée dans une famille, dans un cadre, dans un couple, dans un métier, dans des trains-trains? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont quitté ça pour aller plonger vers les profondeurs? Qu'ont-ils obtenu dans ces profondeurs? Est-ce qu'ils ont qui? Tu connais quelqu'un qui a quitté ça? Dans la réalité des choses, aujourd'hui nous vivons dans un monde où chacun vit dans cette bulle. Il n'y a pas d'autres réalités. Pour ma part, je regarde partout, on a tous cet enfermement, cette envie de se protéger. Moi, je ne généralise pas, je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Par contre, je dirais 99%. Certaines personnes, très rarement, tout à coup, elles se rendent compte qu'elles sont dans une routine qui ne s'arrête pas. Et puis, elles vont tenter de chercher cette liberté ailleurs. C'est-à-dire, peut-être si j'avais plus d'argent, peut-être si j'avais plus de ceci, de cela, plus d'amour, plus d'amis, etc. Si j'avais une bulle plus grande, si j'avais ça, je serais plus libre. Mais parmi ces personnes-là qui ont essayé de bouger,
Il y en a certaines encore plus rares qui se rendent compte que la seule liberté qui existe, c'est en profondeur, dans l'océan. Oui. C'est-à-dire que qui vont briser tous les conditionnements de, d'être à la surface avec toutes les ordures. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je sais que ça t'intéresse, ça. Mais c'est quelque chose qu'on doit aller tout doucement parce que nous sommes tous conditionnés à être une bulle. Et il faut bien comprendre la bulle pour pouvoir la dissoudre. Pas seulement de voir ce que... Tu sais, la lumière, ce n'est pas important de voir la lumière. C'est important de voir l'ombre qui t'empêche de voir. Quand tu as vu l'ombre, eh ben, tu peux l'éclairer. Okay? Et je crois que dans la vie, nous, pratiquement la plupart d'entre nous, on cherche plus à être heureux, à voir la lumière, à ce que tout se passe merveilleusement. Mais on ne sait pas que tout ça, c'est une idée qu'on a de quelque chose de merveilleux. Mais en attendant, on vit médiocrement. Tu sais, on n'a pas résorbé le problème de nos bulles. Et moi, je dis, avant de parler de la profondeur, il faut savoir qu'est-ce qui t'empêche d'aller en profondeur. Pourquoi tu es dans cette superficialité? Il faut le comprendre. Ouais. Il faut aller le voir. Et ça, c'est difficile d'aller voir parce c'est que difficile. Nous ne voulons pas regarder les choses que nous n'aimons pas voir. Bon, maintenant, admettons que nous voulons et nous allons tenter d'y aller ensemble. Admettons que le spectateur qui nous regarde là veuille savoir comment cela fonctionne, cette observation, cette constatation qui nous amène depuis la surface jusqu'aux profondeurs. Oui. Là, maintenant, voilà. Pas demain, maintenant, pas je vais m'exercer, etc. Maintenant, là, maintenant. Oui, maintenant, on regarde et on voit que je suis ma tendance est de me protéger. Ma tendance est de croire que la vie que j'ai, c'est... Ça a toute son existence. Je regarde la réalité de ma vie et je le regarde depuis là-haut, depuis une autre hauteur, pas de façon impliquée. Et je regarde que je constate que il y a des enfermements. Voilà. Il y a des enfermements. Tu t'es enfermé. Il y a des enfermements dans divers secteurs de la vie, de ma vie, de ma vie personnelle. Donc l'individu qui observe voit ça. Il y a chaque secteur de la vie, que ce soit relationnel, social, entrepreneurial, salarial, qu'importe. Tout cela, il y a un enfermement dedans. Ça peut être observé très facilement. Par exemple, on remarque qu'on rentre à la maison avec le conjoint et puis on se dit les mêmes choses. Le train-train est installé. Parfois, on se retrouve en face à face, on a rien à se dire. Parce que c'est rassurant aussi. On va au travail et puis, à un moment donné, on ne sait plus trop pourquoi. Ou alors, on entreprend, on a des entreprises, on a réussi, on est riche. Mais encore une fois, cela ne suffit pas. Qu'est-ce qui rassure quand tu dis que tu vas rentrer chez ta femme, avec ta femme, et tu commences à répéter les mêmes choses? Est-ce que c'est pas... Là, il y a une sorte on observe de rassurance, on observe l'assurance qu'on a de continuer comme ça. Oui, c'est-à-dire regardez, chers téléspectateurs, en tant que spectateur vous-même de votre vie, comment est-ce que tout cela se produit sous vos yeux? C'est-à-dire le train-train quotidien, les gens que vous rencontrez au quotidien, comment vous leur parlez? Ce sont les mêmes termes, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes pensées qui tournent. Celui-là du travail, il est fier. Celui-là, il mérite. L'autre, il mérite moins. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Et tout ça, c'est des bulles. C'est des bulles dans lesquelles on s'enferme, on enferme l'autre. Et on ne peut plus se rencontrer. C'est clair. Maintenant, on va aller au-delà de ça. Et il est possible que naisse en vous un sentiment. Un sentiment de lassitude par rapport à tout ça. De profonde ennui, lassitude, ça n'a plus aucun sens, je n'en peux plus de tout ça. N'allez surtout pas vers un changement d'ailleurs, pour du meilleur, parce que vous retrouveriez les mêmes choses, mais autrement. Sous des formes psychologiques ou spirituelles, ou qu'importe. Mais ce sera les mêmes bulles. On peut très bien s'enfermer dans une bulle de Wall Street et s'enfermer dans une bulle de monastère. Mais on reste dans une bulle quand même. Alors, maintenant, bulle individuelle... La bulle individuelle, ce serait notre ego qui se plaît à vivre ainsi. Il a un centre d'intérêt et il fait exister la bulle avec ses barrières, ses peurs, ses angoisses. Et regardez comment vous-même vous construisez ces murs en acceptant certaines choses simplement. Simplement parce que vous ne voulez pas les refuser à cause de l'image que ça pourrait vous coûter en société. Vous les conservez, vous les entretenez.
Et en les entretenant, ben, vous construisez les barreaux de votre prison, comme voilà. Il dit. C'est vrai. Et comment on les entretient, ça? Parce que... Il y a une peur, on fait confiance à la peur, on d'accord. rentre dans l'ordre. Il y a un désir, on fait confiance à ce qu'on crée avec la peur. Exactement. et on ne se doute pas de lui. C'est-à-dire qu'on... Sans aucun doute, on y va. Parce que ce sont des promesses que l'on se donne. Exactement. Demain, quand vous aurez fait le vaccin, le monde sera meilleur. Voilà. Mais donc, rien ne garantit ça. On se donne la promesse du mensonge, et ce mensonge nous dicte l'action à faire. Exactement. Et cette action que nous faisons nous emprisonne dans ces bulles. Voilà. Sans même le savoir, nous sommes alors prisonniers d'une prison dorée que nous n'avons pas voulu, mais nous l'avons fait inconsciemment. Tu vois ? Et c'est bien de savoir que tout se passe inconsciemment dans nos têtes, tu vois ? Quand on continue comme ça, on a cette envie d'être heureux. Les peurs nous indiquent comment il faut faire pour être heureux. Mmh. Et on se leurre du chemin à prendre parce que les peurs nous indiquent la récompense, la limite, la contrainte, voilà, le choix à faire. Il te donne la promesse, en fait. Tu sais, on se donne la promesse que ma vie sera bien. Ouais. Mais cette promesse, c'est une illusion. Bien sûr. Tu vois ? Donc, tu t'enfermes encore plus dans ta bulle. Parce que tu dis, là, je serai en sécurité. En croyant, tu peux faire de cette bulle grande, si tu veux. Mais, tu peux la rendre immense. Elle peut devenir milliardaire, cette bulle, mais elle restera finie. Voilà. Elle sera toujours temporaire. Toujours limitée. Et elle sera toujours limitée aux parois de sa propre condition. Limitée aux connaissances que l'on a acquises de cette bulle. Ok ? Chacun d'entre nous, ce que nous sommes, c'est un paquet de connaissances que nous avons acquis à travers les âges. Et avec tout ça, nous avons fait ce qu'on appelle ma vie. Et ma vie ressemble à ce que je connais. Donc ce que je connais est devenu une bulle. Et je ne vais pas sortir de là parce que tout autour de moi, je me méfie de ce qu'il y a. Tu comprends ? Et quand tu comprends que tu te méfies de tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois, la pensée, la réflexion, le partage, eh ben, on va vers quelque chose de plus fin. On arrive à être très pointilleux de comment tout se déroule. L'observation, elle devient extraordinaire parce qu'elle nous révèle tous les points d'achoppement de cette bulle. Tu vois ? Et quand tu arrives à voir tous les points d'achoppement, eh ben, parce que tu as vu les points d'achoppement, eh ben, cette bulle, elle disparaît. Tu vois ? Elle disparaît parce que c'est une bulle qui enferme la vie. Ok ? Mais quand elle disparaît, où va la vie ? Quand elle éclate, la bulle, où va l'air qui était dedans ? Elle rejoint tout. Elle a toujours été là. Ouais. C'est juste que les parois n'ont jamais... Sauf qu'on a fait des parois. Les parois n'ont jamais existé. Au fond, oui, elles n'existent pas. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas de quitter vos entreprises, de quitter vos conjoints, de quitter l'école. Ce n'est pas ça l'idée. Briser la bulle, c'est voir les mécanismes qui se répètent à l'intérieur de tout ça. Voilà. Et... Quand on les voit, ils s'arrêtent de se répéter. Voilà. Et là, il y a un temps qui est libéré. Il y a un pouvoir temporel qui est libéré dans lequel des choses neuves peuvent se produire. Oui. Des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses surprenantes. Ça peut se passer dans votre entreprise, dans votre groupe que vous managez, ça peut être chez des salariés, ça peut être chez des étudiants. Tout à coup, il y a comme un vent nouveau. Il y a une sorte de renouveau, de renaissance, de reconnexion, on se sent redevenir soi-même. Il y a du plaisir à vivre au-delà de toutes les promesses. Les comportements changent, les attitudes changent, il y a plus de partage, moins de la dilafée. Il y a cet instinct d'aller à la rencontre de l'autre, de le connaître et de voir qu'il y a un problème en commun. Oui, mais là, tu vois cette bulle que le regard s'aiguise et il devient de plus en plus pointilleux. Ouais. Et alors, on vit dans un monde qui ne se bloque plus à l'image qu'il se donne, mais qui va véritablement être la vie, non pas tourner autour de la vie.
D'accord. Non pas dire j'aime la vie, mais être cette vie, cette ouais. vitalité. Et cette vitalité, justement, tu vois, moi je trouve que c'est pas quelque chose qui va se passer de petit à petit. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va de mieux en mieux. Parce que mieux en mieux, ça implique le temps. Et ce qui est déjà en dehors de la bulle n'a pas le temps. C'est là, déjà. Le problème, c'est que nous ne voyons pas que ce qui nous empêche d'être totalement soi, parce que la bulle fait de soi quelqu'un d'autre. C'est une image que l'on se fait de soi, et on donne cette image pour plaire, tu vois. Et donc, quand on est cette plaire, image... Pour réussir, voilà. Pour faire du mal aussi, voilà. Parfois. Certaines personnes prennent plaisir à faire du mal. C'est pour ça que quand cette bulle... En tout cas, il y a un intérêt derrière l'image illusoire qui est créée. Oui, bien sûr. De toute façon, ce n'est pas une question que tu sois... Dès que tu as une image, tu fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même parce que tu n'es plus vrai avec toi-même. Même si c'est quelque chose qui peut sembler agréable. Oui. Donc, il n'y a pas personne qui fait du mal. Ouais. C'est l'image qui fait du mal. Exactement. C'est que nous sommes embrigadés dans un mode de vie où on se dit que c'est comme ça la vie. Et on nous a matraqué dans la tête que c'est comme ça. Tu dois avoir ton image, tu dois avoir ta bulle, tu dois avoir ta petite maison, ma voiture, mon argent, mes affaires. Et être séparé de tout le monde. Tout et après, on se méfie. Ouais. On se méfie des uns et des autres. Et c'est pour ça que moi je dis que quand il y a la libération de cette chose-là, ça ne se fait pas petit à petit. C'est quelque chose où tu es transformé parce que tu as observé et tu as vu tous les engrenages. Et quand tu as vu l'engrenage, tu es libre. Tu vois, le problème, c'est qu'avec nous les humains, on a toujours voulu être libre, mais on se donne des conditions que je récupère quelque chose. Tu vois, c'est notre habitude, ça. On t'a expliqué depuis que tu es petit. Si tu veux avoir quelque chose, il faut faire ça, ça, ça et ça, et tu auras une récompense. Et nous faisons pareil psychologiquement. Mais psychologiquement, ça n'existe pas, la récompense, puisque nous sommes la récompense. La récompense, elle est déjà là. Donc, il n'y a rien à prendre. Tout est là, déjà. Et c'est pour ça que, tu vois, je crois que c'est bien d'aller dans le détail de cette invasion de toutes les pensées qui nous ont emprisonnés. Parce que ça, c'est un monde complexe et nous avons besoin de comprendre la complexité. Non pas à travers quelque chose que l'on on va essayer de faire quelque chose, mais à travers quelque chose où on va pouvoir sortir de cette mascarade. Parce que le monde, c'est une mascarade. Et tu ne le sais pas parce que tu as fait cette mascarade inconsciemment. Et tout ce que tu crois, eh bien, ça existe. Tu fais exister, c'est une réalité pour toi. Tes croyances, tes envies, tes désirs, c'est devenu une réalité et tu veux les garder. Et tu vois, pour sortir de là, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, vraiment. Et pour voir ce qui s'est passé, justement, cette observation fine, de voir exactement comment ça se joue. Tu vois, et ça, c'est la réflexion, c'est la position que tu dois te mettre dedans pour pouvoir voir la totalité de qui tu es, sans te cacher. Parce qu'il y a des choses qu'on se cache parce qu'on ne veut pas les voir. C'est trop dur, parce que c'est des mensonges qu'on a depuis très longtemps, et on ne veut pas les montrer à personne. Il y a des tabous, des non-dits que tout le monde garde. Et tu vois, ça crée dans nos sociétés le faux, le mensonge. Il n'y a plus de sincérité. Et quand il n'y a plus de sincérité, il y a de la méfiance les uns avec les autres. Quand on est plus sincère les uns envers les autres, il y a de la méfiance. Et quand il y a de la méfiance, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que tout le monde s'enferme dans sa bulle. Et c'est pour ça qu'en dehors de cette bulle, il y a quelque chose de commun. À toi, à moi. Et on peut aller dans cette partie commune, où là, il n'y a plus aucune bulle, il n'y a plus des barrières, il n'y a plus des croyances, il n'y a plus une seule pensée dans ta tête. Ce que je dis, c'est peut-être difficile à capter, parce que les gens vont se dire, mais comment faire pour ne plus avoir des pensées dans ma tête?
c'est impossible. Les pensées sont là. Oui. Elles sont là depuis des âges lointains. Ce ne sont pas les nôtres. Elles nous traversent. Et si on ne joue pas avec, si on ne les tripote pas, si on n'en fait pas quelque chose de sérieux qui nous concerne, un peu comme un film qu'on regarde, ben, le film passe et puis ça se termine. Et on voit qu'il y a plein d'autres films. Il y a des films sensuels, des films de guerre, des films. Mais c'est des films, on les regarde. Ça n'existe pas dans cette réalité que le monde. Oui, mais si tu regardes. Là, dans ce cadre-là, le monde devient assez agréable à vivre, en fait. Il devient un facteur d'éveil. Le monde, tout ce qu'il contient, les arbres, les animaux, les oiseaux, le soleil, la pluie, la dune, le sable, tout ça est une aide, un soutien à quiconque veut tout à coup se réveiller de l'illusion phénoménale qui lui avait été proposée par la réalité psychologique, l'illusion. Et c'est ce monde-là dans lequel on peut vivre, qu'on mérite de vivre. Et plus notre attention s'oriente vers ce monde, plus elle se déploie, plus elle se grandit, plus sa biodiversité est nourrie. Moi, je dirais c'est-à-dire plus... qu'il y a plus d'oiseaux, il y a plus d'animaux, il y a plus de joie à vivre dans la nature, avec la nature. Moi, je dirais... Alors qu'en fait, à l'inverse, s'il y a juste la condition dans laquelle nous aimerions vivre en tant que ceci ou cela, en tant que quelqu'un, pour obtenir cette chose ou celle-là, la vie devient problématique parce qu'elle devient une sorte de quête et de chasse de cela qu'on n'a pas. Tout ça dans un film. Mais ce film, si on le voit, eh ben, on remarque qu'il a une fin et que nous n'y sommes pas impliqués, concernés. Tout à coup, le monde, sous nos yeux, disparaît tel qu'on le croyait. Il y a des choses qu'on voit. Les pensées aussi, alors. Il y a les pensées, oui, mais il y a le vécu qui vient. C'est le vécu de l'instant. Et dedans, c'est chargé de messages, c'est chargé d'informations qui guide ce corps, qui guide l'action. C'est bien guidé. C'est fichtrement bien guidé. Si on remarque, depuis la poussière d'étoile jusqu'à la pointe de nos cheveux, tout est merveilleusement bien guidé. Il n'y a absolument rien à ajouter ni à retirer. Mes chers amis, on va rien ajouter, rien garder. On va terminer l'émission comme ça. Je vous souhaite une belle vie. À bientôt. À bientôt, Farzad. À bientôt. Je ne sais pas qui a dit ça. Sur le programme, sans la joie d'être en vie.